bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter baou yon nouvelle émission. M'espérez tout bagarre en forme pour chaque grand monde qui attendait Chanel Sila. Jeudi, c'est 28 du mois d'octobre 2022. Alors, nous venons là pour capable faire un petit bat de bouche ensemble avec vous. Mais juste avant de commencer, Pepa ici, m'a nous respect. Alors, en pile dans nous. Parce que, bon, m'dou bagay, ouais, moun kap bataille, kap coché pour nous chaque jour. Franchement, c'est des li n'a bat bravo pour nous dire oui, bon papa, bon moun. Est-ce que nous comprenons? Mais, moun qui a pensé, m'pensé pour intérêt nous, eh bien, c'est moun sak diab. Bon, m'dou bagay, ouais, si nous toutes qui sous Chanel ça, nous te fait commentaire pour nous dire ça m'a gardé. Par exemple, j'ai parlé hier de barbecue. Gon fan qui dit comme ça, alors qu'il y a plusieurs qui dit pourquoi ça me colle dans monde barbecue comme ça? Est-ce que c'est barbecue qui problème pays a? M'ba jamais dit c'est barbecue problème pays a. Mais attendez bien ça me dit. M'te dit ti moun yo, si yo pas à l'école, figurez-vous bien, c'est nèg politique yo, c'est bandi yo, c'est Ariel et c'est nèg kap bay zam yo. C'est ça me dit. M'te dit hier, dans une émission, gaz là, Ariel mettait le 570 goud. Li pa ka sorti dans varoyan pour le distribuer. Et puis, genek ki pran l, yal vann ni a 2000 goud, 2500 goud. Kounya, mwen te di que gaz 2000 goud, 2500 goud la, m pa pa achete l nan menek yo, m ta plutôt achete pa Ariel la ki vann a 570 goud. Comme nous même en pile dans nous qui aimons barbecue, nous accepter nèg yo mettre prend gaz là pour y aller vendre dans la rue à 2000 goud, moi me dit m'pas acheter ça, m'pito plutôt acheter pas Ariel là. Et m'te dit non. Si c'est pas bloquer la rue parce que la rue c'est pas un rien à faire dans la rue, c'est bagaille à bolotio politique qu'a fait. Imagine on peuple dans la rue, l'a manifester et puis le regarder ouais, deux trois nèg qui fait politique vinn dans mitan yo. On bandit armé kap jere a fait pal li vin nan mitan yo. Jodi a m kon fache tout. Faut me parler avec nous. Nous pas comprendre rien nan rien. Et puis qu'on y a vin parler depuis on parler de yon moun, c'est comme si moun n'est pas pa nous. Hein? C'est notre truc complice dans pays a. Pour qui ça nous pas décider pour nous dire si nous pas mettre tête nous ensemble, bagal ap miel nan menou. Et intérêt moun ki pi menacé dans pays ça, c'est intérêt si la ou ki pi pauvre. Devle just faire ti parler ça ensemble avec nous, mais heureusement moi gen plus commentaires qui ont ti gens favorables. Vous comprenez? Donc m'pa okipe moun yo parce que ça qui arrive dans la vie, même moun nou pense que pipo là la bon ti kou nan dou. I don't care. C'est ça que fait, c'est dans live yo m'garde commentaires. Depuis m'fin fait live yo, m'pa même prend chance garder en ken commentaire parce que m'konnen conseil de insectes nuisibles qui sous réseau. Eh bien, yon même yon là pour faire vieux commentaires. Même là, ta font émission, pensez que comme si on fait tout ce qu'on est, ou respecte les principes journalistiques, ap gen yon gren imbécile quand même kap vini, kap font vieux commentaires. En tout cas, barbecue border, peuple Raymond, pousse chevalou. Z9, continue vendre gaz nous 2500 goud. Et si nous gagnons toujours vendre ni 4000 goud. Bloqué tout côté, vendre gaz nous 4000 goud. Et puis, bon, dis nous l'autre bagay. Pour un pile moun, nan peut-être imbécile sa yo kap di que m'pa remè Z9. C'est GPEP m'a pas buyé. Ça arrive, ou ka di ça? Ou ka di ça? Les iso font kidnapping, non pas dil? Le Gabriel font exaction dans Cité Soleil, non pas dil? Les Tilapli font l'orbe en l'air là, non pas dil? Ouais, même nous, même ça kap di, c'est GPEP m'a supporté. Même moun GPEP sa yo tout, fanatique ki GPEP yo. Yo dit que c'est G9 m'a supporté. Ah là là, vie papa, tête charge. Mais, gren ça pour comprendre, m'a venu avec quelques émissions pour nous. Et puis, n'a fini par comprendre si m'a fait un choix. Qui choix le tapier? Comme moi, pas bandit, m'a gagné pour me choisir. Mais si m'a fait un choix, nous tape déjà connu. Ti moun qui levait dans Cité Soleil. Ti moun qui était toujours à pile et belékou. Ti moun qui était toujours à pile et Boston. Nègle le journaliste qui toujours a fait dossier Boston, Belekou, les moun Cité Soleil gen problème, c'est moi qui toujours là. Les ministres a crasé en babal, c'est moi qui toujours là. Les boys t'a fait opération dans Belekou, tout est en pile moun, c'est moi qui te parète.
Et je ne dis à la, c'est moi qui bête noir, puisque m'a doué parler de barbecue, m'a doué parler de l'autre nègre. M'a le font parler de tout à l'heure, dans l'autre émission, ou peut-être dans l'émission ça, parce que dernièrement là, m'a dit non que, m'a bagaille pour nous concernant Cité Soleil. Alors c'est parti. Chef gang, écoutez, c'est Morvan qui a tweeté pour dire, chef gang sale, Timakak, nègre s'est kidnappé petite, l'autre gang avec veste là, qui c'est Toto Brolette. Yo mande Toto, toutes âmes nettes, li genyen, pou mette yo nan yon kante, voye ba yo. Yo dit Toto, yo pa besoin l'argent. Kounya, yo grand neg, même jan ak li grâce à kidnapping, se zam yo vle. M fon ti pala Timakak papa. Si c'est vrai Timakak, non we, nan ki sa on pays tombe, yon zone résidentielle kon sa, neg Timakak yo, al voye ko yo anle ala, y a foncé de exaction. Y a fait bagay sale. Imaginez, dernièrement là, il y a pile moun ki mou en l'air. Il y a environ 8 moun ki mou. Mais il paraît qu'il fait fusillade. Gagné journaliste qui mourit en l'air. M'pa pas accusé Timakak non. Mais quelque part, si nèg Timakak yo pat en l'air, journaliste pat ap mouri. Est-ce que nous pas comprendre? Parce que son interview qui fait ak Timakak qui incite d'autres journalistes pour yo vin en l'air. Journaliste mouri. Même là, c'est pas sous conscience, Timakak, mais journaliste mouri. Non, tout y a un ancien sénateur, non, fout di fe sou li. Non, tout y a un pile l'autre moun. Ça, c'est exaction moun pap ka kwaze bragade. Donc, Timakak, vin yon véritable problème. Comment faire pour résoudre ce problème? Je ne jodi à la, ouais, yon kidnappé un petit Toto. Dans un premier temps, ouais, te gen moun kap di la et 2 millions goud nèg yo mande. Non, 2 millions de dollars, bien sûr. Et qu'on n'y a pas besoin de cop parce que y'a cop même Jacques, tout le monde. C'est Zam pour Toto Voye Bayo. Kounya immédiatement Toto Voye tout Zam li gen Bayo. Kounya nek se ou pral ouvè kon yo an lè net. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire c'est eux-mêmes qui chef, c'est eux-mêmes qui géré. Son problème là. Son problème. La boule. Est-ce que zone ça te comme ça, mes amis? Li pas de comme ça. Nek Timakak yo nik vini. Eh bien, s'entendez à là, c'est l'enfer qui gagne en l'air. L'État haïtien pas qu'à dire why. L'État haïtien. Pas qu'à faire why. Mais, pensez que, faut que vous avez qui dit, mes amis. Si son coalition qui a fait pour déchouquer Timakak en l'air, que l'y fait. Mais, vous avez pour nous comprendre tout. Nèg Timakak qui vient en l'air là, c'est des frustrés. Est-ce que nous ne comprenons pas? C'est des frustrés que vous avez. Mais, ça a fait en l'air là, il y a trop pour moun qui en l'air. C'est comme si m'da capable dit c'est deux terroristes qui étaient venus goumer pour. Bosniak yo, et puis sotade à la, nèg yo vin installe yon charia qui trop pou peuple la. C'est comme ça. Timakak fait trop bagay, fait trop exaction. Nous arrivons au moment nous pas prend ça encore dans Timakak. En tout cas, nèg ki gen moyen yo, monsieur, frappe bien nous à terre, dégagez nous, parce que bagay la pas cap continuer comme ça. Dans le cadre d'une rencontre avec le commandement de la police nationale d'Haïti, jeudi 27 octobre 2022, chargé d'affaires américain, Eric Strohmayer promet pour renforcer capacité opérationnelle la police qui doit éradiquer gang améo cap opérer dans le pays d'Haïti. Parole, promesse. Eric Strohmayer, qui lui-même était accompagné à plusieurs personnalités américaines, lui fait promesse par le directeur général police nationale d'Haïti à France LB, qui était assisté par membre au commandement PNH. Là. Le cadre de compte là, officiel américain dit qu'il voulait évaluer situation sécuritaire là et plutôt envisager perspective pour renforcement capacité opérationnelle la police d'après note PNH mettait dehors. Canada lui-même refusé leadership et intervention armée dans le pays d'Haïti malgré persistance États-Unis par le biais de son secrétaire Anthony Blinken en visite dans Ottawa, c'était donc le jeudi 27 octobre. C'est ministre Affaires étrangères là, Mélanie Jolie qui annonçait ça dans cadre d'une conférence pour la presse. Canada pas voulu diriger une force armée internationale en Haïti, quoique les États-Unis souhaitaient jeudi 27 octobre 2022. Hein? Ça nous capable lire dans le journal en ligne Alter Presse. Pas gain aucune décision qui apprend sans implication haïtienne. Moi toujours dit ça, c'est pas et pour Haïtien yo pour toute bagaille faite. Parce que
dans le moment où on a parlé là, c'est peuple haïtien qui a souffri en Haïti. Alors que objectif non, c'est capable d'aider yo. Yo même, d'après ministre Joly, dans le cadre d'une conférence pour la presse, accompagné à homologue Anthony Blinken, secrétaire d'État, expliqué qu'il y a une résolution qui a préparé dans l'ONU, qui a autorisé une mission assistance internationale et non l'ONU. Mais pour capable améliorer la sécurité et permettre flux aide humanitaire capable de venir dans le pays d'Haïti. Faut que nous soulignions qu'il y a une délégation gouvernement Canada qui en Haïti se maintenant pour capable conduire consultation bon côté partenaires régionaux, Nations Unies, Communauté Caraïbes, CARICOM, à Claude Patneyo. Délégation Sila a exploré différents moyens pour capable aider peuple haïtien résoudre crise humanitaire et sécurité puis tout déterminer qui façon Canada capable contribuer pour bailler une réponse internationale. Ça c'est la diplomatie. Il y a joué avec nous toujours. Est-ce que nous pas comprendre? En tout cas, Napton, gain directeur général à la police nationale d'Haïti à France LB qui lui-même chita parlé, c'était mardi 26 octobre 2022. Avec Premier ministre Ariel Henry sous question sécurité pays. Dans le cadre de rencontre, le président du Conseil supérieur police nationale d'Haïti, Ariel Henry, lui-même visité PAC Automobile Engin Lourd PNH. État des lieux, par bon côté Premier ministre Ariel Henry, qui entrait dans le cadre appui gouvernement, ben la police, dans le cadre renforcement capacité opérationnelle institution policière, il y a une manière pour capable bien faire. Travail, fidèle à la devise pour protéger et servir. PNH la compté sous soutien et puis tout collaboration population dans la bataille contre banditisme sous toute forme et manière pour capable restaurer l'ordre public dans le pays. Et bien, si le pays international lui a fait comédie, non même dans le pays d'Haïti, nous capables supposer faire comédie tout. Bon, quittez-nous avec conférence, association, journaliste, collectif, reporter plus, ak reporter local qui sa yote dit dans quatre conférences pour la presse là. En tout cas, on a le suivre. En conférence de presse, regroupement journaliste reporter local yo, avec association collectif reporter plus à bay pour nous fixer position nous sous Zak malhonnête sous yon série exactions qui fait pendant l'année 2022 ya, sous yon paquet de confrères qui nan corporation qui nan la presse là. C'est une occasion matin pour nous faire appel, c'est une occasion en ordre pour nous faire exhortation et c'est une occasion, nous t'a dit, qui est vraiment importante pour nous dénoncer. Je vais commencer par dénonciation pour nous dénoncer à travers conférence qui sont conférences conjointes deux organisations qui travaillent avec journalistes choisis fait matin sous deux dossiers clés, Zak assassinat et qui manquait fait sous. Le journaliste senior Alphonse Robertson, qui travaille dans le quotidien Le Nouvelliste et puis qui est co-présentateur de l'émission Panel Magique, et bien M. Manke qui était pôle dans le niveau d'Elma 40B. Côté Bandi Azam, personne n'a pas identifié l'ouvri balle sous machine journaliste là. Nous autres, au niveau du regroupement des journalistes reporters locaux, nous condamnons avec en pile fermeté, en pile sévérité, un tel acte et nous demandons aux autorités judiciaires et policières pour yo prendre responsabilité yo. Monsieur, nous connaissons à chaque fois des journalistes qui victimes, à chaque fois des journalistes qui disparaissent, journalistes qui mourent, journalistes qui ont agressé physiquement ou bien verbalement. Monsieur, dans l'appareil judiciaire avec la police là, surtout dans le niveau des CPJ qui se bras scientifique la police là, toujours prend le malin plaisir pour yo à chaque fois venir faire conférence pour dire nous, mais dans quel niveau enquête là est. Il y a toujours dit qu'il y a une enquête qui ouvre, une enquête après possible. Et à aucun moment, pas jamais gagné aucun rapport sur enquête qui ouvre sur quel que soit journaliste qui est victime d'un exercice métier qui aboutit. Pas jamais gagné aucune enquête qui aboutit. Enquête sur Vladimir Legagne, pas jamais abouti. Enquête sur Ospit Bétion, qui a assassiné en 2019, pas jamais abouti. Enquête sur journaliste Néhémie Joseph. Panique FM, mais qui était correspondant tout Radio Mega n'importe quoi, enquête n'a pas jamais abouti. Enquête sous Amadi John Wesley, Wilgens Louisin, M. Sayo, qui mourit en babal, gang Timakak dans la boule, le 6 février 2022, enquête la l'ouvrit, nous ne savons pas qui niveau lié.
et nous avons garanti, ce n'est pas une enquête qui va aboutir. Enquête sur Tyson Latig avec Francine Charles, deux jeunes journalistes récemment, ils ont fusillé dans la Cité Soleil, ils ont mis du feu sous le cadavre. Nous avons garanti et nous sommes sûrs de ce samedi matin. Il n'y a aucune enquête qui l'ouvre et ça veut dire que la police là avec la justice pas dit maintenant qui niveau enquête là. Et cela veut dire globalement, enquête n'est pas jamais abouti. Enquête sous assassinat Jean-Léopold Dominique en 2001, pas jamais abouti, ça fait 22 ans. Enquête sous disparition Félix Lamy, il n'y a jamais dit qui niveau lié. Et c'est une raison qui fait matin. Nous autres, nous sortis dans le silence de nous, deux organisations qui travaillent avec les journalistes pour nous venir dénoncer le comportement autorité judiciaire avec autorité dans la police. Là. Yo même qui ont pour devoir sécuriser la population et la justice, les nécessité pour ça, les gens qui victimes. Ce n'est pas les journalistes qui n'ont pas une justice. Tout le monde qui est victime dans le pays ça, pendant ces 25 dernières années n'a pas une justice. On l'autre volet dans la conférence matin, c'est que nous venons attirer l'attention de la population. Nous venons attirer l'attention de la population haïtienne d'une manière générale pour nous dire que nous avons un mal épandier sous tête de la corporation La Presse. Là. La presse qui gourmet en pile pendant ces 35 dernières années pour nous arriver à ce niveau, ça, pour nous libérer, pour une presse libre et indépendante, pour nous retirer la bouquette dans la bouche. Nous. Et aujourd'hui, il y a des citoyens mal intentionnés. Des individus mal intentionnés qui ont milité, nous ne connaissons pas dans différents secteurs, nous dit, mais de façon malhonnête, qui ont essayé timidement, mais avec tac, avec un peu de technicité, pour retourner mettre la bouquette dans la presse. Nous venons dénoncer ça matin, nous venons demander à la population pour faire solidarité, faire corps avec nous autres de la presse, pour que la presse n'a pas arrivé rentrer dans. Dynamique pour les croiser bras, pour faire silence, pour fermer bouche face à la spirale d'insécurité généralisée aujourd'hui qui a plongé la société dans tout niveau, dans toute dimension. Nous avons dit dans la conférence ça, nous ne pouvons pas seulement attirer l'attention, nous ne pouvons pas seulement faire rappel, mais tout, nous avons fait exhortation. Et bien ce matin, nous venons demander. Nos confrères, nos consoeurs de la Corporation des journalistes en Haïti, que ces journalistes qui travaillent dans la capitale haïtienne, dans les médias qui sont dans la capitale, là, que ces journalistes qui travaillent dans les médias dans la ville de province, journalistes qui sont dans la presse écrite, presse parlée, presse télévisée, amis journalistes qui prennent chaque matin téléphone pour sortir, les journalistes de la presse en ligne qui actifs, même genre avec nos autres de la presse traditionnelle, et pas gagner deux presse, gagner une seule presse, et bien maintenant nous venons demander tout professionnel ça pour servir avec magnétophone, avec plume, avec caméra photo et vidéo, avec ça a écrit pour travailler dans un souci de professionnalisme aigu, dans un souci d'équilibre. Il faut que journalistes soient professionnels, il faut que journalistes ne pas camper ni à droite, bon côté au monde, ni à gauche, bon côté au monde. La presse n'est pas un pouvoir d'arbitrage, c'est le quatrième pouvoir, c'est un pouvoir d'influence. Avec pouvoir ça, nous là pour nous travailler de manière à ce que, non seulement pour avoir la lumière qui porte sur tout problème qui est dans la société, mais nous là pour nous faire formation, quel que soit l'individu dans la société, nous là pour nous travailler de manière à ce que la population informée sur toute avancée qu'a fait dans la société et qu'a fait de manière globale à travers le monde. Avant nous fermer. Intervention par nous, on a demandé le commissaire du gouvernement des CAE avec l'autre autorité dans le département sud là, directeur départemental police là, commissaire police au CAE là. Nous venons demander monsieur ça matin hein, pour prendre courage à deux bras. Journaliste reporter local RJL avec collectif reporter plus, venons demander monsieur Sayo pour expliquer nous, pour aider nous comprendre, pour clarifier pour la nation. Plus particulièrement pour la population du sud, moun nan ville locale particulièrement, scénario qui mettait en place, qui arrivait à disparaître journaliste la Gary Tess de Le Bon FM dans un premier temps. Et puis dans un second temps, ce même commissaire gouvernement qui était dit madame journaliste là,
On enquête déjà l'ouvrir pressé, pressé pour connaître ce qui est des journalistes là. C'est un pote qui même déposé en plainte dans le parquet. C'est un pote qui même vient devant pour te dire par les journalistes là. Et bien, ce même commissaire gouvernement, quelques jours après, c'est monsieur lundi, dans la mi-temps journée, qui montait au créneau pour dire qu'il a découvert le cadavre Gary Tess sous un pont dans la mi-temps ville tout près de Jocelyn. Nous ne comprenons pas. Le scénario apparaît un petit casse flou, très flou. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas, ça attire l'attention. Nous venons demander à monsieur Sayo pour faire en sorte que yo prend courage à deux bras, assumer toute responsabilité et n'a profité mandé au ministre de la Justice, M. Berto Dossé, pour des dispositions qu'il prend pour écarter le commissaire gouvernement au Cala, M. Ronald Richemont, de Parquet. En attendant, il y a une enquête sérieuse, une enquête correcte qui entame pour lumière capable de faire sous façon journaliste Le Bon FM, Gary Tess, perdu la ville dans circonstances que nous tous, vraiment, nous. Pas prêt pour accepter. Nous baillons dans l'idée pour nous dénoncer les assassinats qui fait sous confrères nous, les collaborateurs nous, Tess Gary, dans le sud pays. Et nous dit que l'action ça a montré à clair dans quel niveau ou ensemble de négocites qui pas voulu ou la presse. Alors que la presse c'est un miroir, n'importe qui j'en y est, c'est comme ça, ou après être un miroir. Mais il faut que nous disions, et fort, collectif Reporter Plus, dans tête collée avec le groupement journaliste Reporter Locaux, nous prenons gagner pour nous déposer une plainte dans le niveau cabinet d'instruction au CAI contre le commissaire du gouvernement, à savoir Ronald Richemont, parce que c'est lui qui est le premier suspect dans quatre dossiers. Tess Gary, c'est également un avocat. Nous souhaitons gagner un conflit avec le commissaire pour un bagaille c'est un bagaille qui peut covider et l'elle peut covider donc monsieur comme journaliste qui a fait une émission sur Le Bon FM qui est le grand lacou il dénoncer commissaire gouvernement hein, et suite à dénonciation ça monsieur disparaît et après disparition hein il vient joindre comme monsieur sous un pont dans le département sud pays hein. Nous allons porter plainte contre Ronald Richemont parce que nous estimons monsieur gagne mal trempé dans quatre dossiers ça et tout nous pas gagner pour nous lancer jour funérailles confrère yon concours de reportage en façon pour que nous capable immortaliser le nom de Tess Gary parce que nous dites nous Tess Gary c'est un jeune journaliste exemplaire qui toujours fait de belles analyses dans cadre d'émission que gagne dans radio Le Bon FM côté que il était toujours souhaité à ce que ce dit le haut et fort. Pour tout journaliste qui a été dans le pays, je dis à nous autres du collectif Reporter Plus, nous autres dans le regroupement journaliste Reporter Locaux, nous décidons de prendre un dossier ça en main et nous prenons le gagner pour nous porter plainte contre Ronald Richemont. Et tout nous avons gagné non seulement pour nous porter plainte devant le tribunal national, mais nous prenons aller devant l'instance internationale avec le dossier ça, parce que justement, Tess Gary, c'est le dernier journaliste que Negio a assassiné dans le pays. Qu'a arrêté sans que il pas joindre justice. Donc nous vinn mandé société a pour corré nous mandé confrère la presse, moun ki nan AJH, moun ki an ANMH ami. Donc pour yo font seul corps derrière nous pour que nous capable joindre justice ak réparation pour journaliste Tess Gary que yo assassiné nan Vilokay et premier suspect là c'est le commissaire du gouvernement de Kay à savoir Maître Ronald Richemont. Avant de nous passer la parole avec Zami nous Jacques Innocent, quittez-nous dit en sympathie avec quittez-nous porter solidarité pito avec confrère nous Robertson Alphonse que bandi t'est tenté assassiner dans 40 BA côté yo bali plusieurs balles nous garder dans machine monsieur Teye plusieurs impacts balles. Donc nous croyons que genre de action ça ou pas doit être impuni. C'est ça qui fait nous demander à ce que DCPJ, comme une instance qui a pour mener une enquête dans quatre dossiers, pour diligenter une enquête en façon pour joindre vrai coupable dans le cadre de ce dossier et traîner par devant la justice pour être capable de condamner pour ça que vous faites les journalistes. Et nous disons que les journalistes n'ont pas le droit de continuer à être victime dans la société. Et peut-être ça, nous demandons à tous les confrères, toutes les consoeurs de la presse,
pour nous camper comme un seul homme, comme une seule femme, pour nous dire non à exact violence, non à assassinat qui a fait sous nous autres dans la corporation. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à mes amis proches pour vous abonner à la chaîne. Et puis, pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!